Welcome à This Week at Shiloh. I am Bliss and I am with Ketia, et bienvenue à This Week at Shiloh, autrement dit cette semaine à Shiloh. So, This Week at Shiloh is a program that gives you an overview of what happened during the week. Praises, highlights, preaching, we tell you everything. Alors, comme l'a dit Bliss, c'est un récapitulatif de toutes les activités de la semaine à Shiloh 40. Les prédications, la louange, l'adoration, nous vous donnons l'information sur tout. Alors, avant de continuer, Bliss, beaucoup des gens sont peut-être tombés sur cette vidéo juste maintenant. C'est quoi Shiloh, Shiloh 40? So what is Shiloh 40? Shiloh 40 is a time of prayer and sacrifice. We gather here at the end of each year and we pray, we fast and we give this moment to God. Effectivement. 40 jours de jeûne et prière, c'est ce que signifie Shiloh 40. C'est un moment de prière et de sacrifice où nous présentons nos familles, nos entreprises et tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu. Alors, nous vous invitons à envoyer vos témoignages, vos requêtes de prière et à mettre vos commentaires sur nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et les numéros au bas de l'écran. Yes, please comment. Share. If you have a testimony that you would like to share with everybody, with us, with the church, please feel free to contact us and to share your testimony. Also, if you would like to support this event, please see the number on the screen, contact us, and we will give you all the directive and the guidelines to send financial support. And also, if you'd like to order this t-shirt, please feel free to contact us and we'll do just that. Nous sommes à notre deuxième semaine de jeûne et prière et nous entamons déjà notre troisième semaine demain. Nous avons eu le privilège d'avoir deux grands prédicateurs durant cette semaine. Alors, Bliss, quels sont les moments forts de la semaine? Well, I enjoyed this week so much. On Monday and Tuesday, we had Elder Kams Ikomo, who shared about the importance of prayer and also the relationship that you need to have when you go into prayer. Here are some of the highlights of the week. Mais s'il y a un sacrifice qui ne t'écoute pas, ce n'est pas un sacrifice. Si c'est ce sacrifice-là ne te prive de rien, ce n'est pas un sacrifice. Parce que le sacrifice, lorsqu'on le fait, on a du mal. Ce n'est pas quelque chose qu'on se libère si facilement. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne avec joie. Parce que ça fait d'abord mal. Jusqu'à ce que tu comprendras l'importance des sacrifices que tu fais. Amen. Amen. Le sacrifice, c'est tout ce qu'on donne avec peine. C'est tout ce qu'on donne au-delà de l'ordinaire. Bien aimé, tu peux donner une offrande, mais cela n'est pas un sacrifice. Cette offrande devient un sacrifice lorsqu'elle va au-delà de l'ordinaire, au-delà de ce que tu as toujours l'habitude de donner. Amen. Bien aimé, un culte, c'est l'ensemble de tout ce que nous faisons pour Dieu. Les services, l'adoration, la prière, les offrandes, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous lui offrons un culte. Et l'apôtre Paul dit, si nous offrons nos corps comme sacrifice, c'est un culte agréable, un culte raisonnable à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient prescrits pour les enfants d'Israël comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Les sacrifices, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Et le sacrifice est lié à une relation authentique avec Dieu. C'est-à-dire, là où il n'y a pas une relation établie avec Dieu, le sacrifice ne sera qu'un simple rituel. Il faut d'abord qu'il y ait une relation qui est établie auparavant avec Dieu pour que le sacrifice prenne son sens. Tu ne peux pas faire un sacrifice si toi-même tu n'es pas d'abord un sacrifice. Well, I hope you enjoyed the sermon and that you got some few things for yourself. Now, as a custom at Mount Sinai House of Grace, we love to welcome our guests, don't we? Yeah. Yes. So here is a short clip of how we welcome Pastor Cash Kaninda, who was coming from Paris. Bonjour tout le monde. Good morning everyone. Je suis Rama Kipela. I'm Josiane Goto. Et nous sommes dans une grande joie de vous annoncer qu'on est déjà à notre deuxième semaine de Shiloh 40. We come to announce to you with great joy that we are at our second week of our Shiloh 40 program. Avec notre deuxième invité, Pasteur Cash Kaninda. With our second invite, Pasteur Cash Kaninda. Alors venons massivement, prenons part à ce service.
And we really urge you to come and take part of the service. Alors nous vous attendons. And we are waiting for you. Que Dieu vous bénisse. God bless. Et vraiment. Nous vous souhaitons la bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. So, Ketia, tell me a bit about what happened, what did he say, what touched you about his sermons? Wow! Nous étions vraiment bénis avec le pasteur Kash Kaninda de l'église Dagneur d'âme à Paris. J'étais vraiment personnellement impressionnée par la façon dont il parlait de la prière. Yes. Nous pouvions sentir que c'est un homme de prière. Le premier jour, il nous a parlé de comment prier en esprit, de demander toutes choses par l'esprit. Et après, il nous a parlé de comment est-ce que les anges sont en mission lorsque nous prions. Imagine. Et enfin, il nous a parlé de l'impact du jeûne et de la prière dans la vie de quelqu'un. Je ne vous en dis pas plus. Écoutez vous-même. Il y a deux sortes aussi de manières de prier. It means there's two ways of prayers. On prie la prière par l'esprit. We pray through the spirit. La prière par notre intelligence. The prayer through our own intelligence. Alors, pour que vous parveniez à prier par l'esprit, il faut que l'esprit soit avec vous. So for you to pray through the spirit, first you need to have the spirit. Pourquoi je dis ces choses? Why am I saying this thing? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, because in 1 Corinthians chapter 2, la Bible nous dit qu'il y a des choses que Dieu nous a données. The Bible says there are things God has given us. Les choses que l'œil n'a jamais vues. Things that I haven't seen. Que l'oreille n'a point entendu. The ear haven't heard. Les choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. The things that did not come up in heart. Mais la Bible déclare que les choses que Dieu nous a révélées par qui? But the Bible says this was revealed to us par God, l'esprit. By the spirit. Maintenant. Now. Si l'esprit n'est pas là, qui va te révéler les choses que Dieu t'a données? If there's no spirit, how who's going to reveal these things that God has given? Donc le travail de l'esprit. So the work of the spirit. C'est de t'accompagner. It is to accompany you. Dans ta prière. In your prayers. Pour trouver la bonne requête à donner à Dieu. To find the right request to give to God. Pourquoi les réponses, les prières ne sont pas exaucées? Why your prayers are not being answered? Parce qu'il y a des gens qui prient sans Dieu. It's because people are praying but yet without God. Il y a aussi God. Des gens qui prient sans être dans la volonté de Dieu. That there are also those who are praying but outside the will of God. Hey, la volonté de Dieu aujourd'hui. And the will of God today. Et que nous tous. That's for all of us. Qu'on arrive à prier. Get to pray. Et que tu sors avec une réponse. So that you come out with an answer. L'organisation de donc, c'est-à-dire que le but de cette organisation de ce programme. The goal of this program. Chilo, ce n'est pas seulement qu'on vient, on prie, on rentre. Non. Chilo is not just for us to come and pray. Non, là, ça va devenir monotonie. We shouldn't get used to it. Mais nous voulons que quand nous venons comme ça. But we want that when we come. Non, faut pas attendre à la fin de Chilo. So we shouldn't wait. Mais faut qu'aujourd'hui, je dis, je sors avec ma réponse. Today, we must decide to go back with an answer. Il faut dire que non. Je suis parti, je sors avec ma réponse aujourd'hui. You must say that today I need to be answered. Il ne faut pas ramener les choses que tu dois faire aujourd'hui le lendemain. Don't take back what you have to do today, do them tomorrow. Le lendemain appartient à Dieu, mais tomorrow aujourd'hui c'est pour belongs toi. Belongs to God, but today is yours. Première chose, the first thing, tu dois te rassurer que tu es avec Dieu. Make sure that you have God. Cela signifie que la nouvelle naissance. And be born again. Deuxième chose, the second thing, on doit faire la repentance sincère. We must repent. S'il n'y a pas la repentance, il n'y aura pas la réponse. Without repentance, there will be no answer. Troisième chose. The third thing. Tu dois enlever la haine et la colère dans ton cœur. Remove hatred and anger from your heart. Ça, ce sont les conditions pour la prière exaucée. These are the conditions for your prayer to be answered. Quand elle jeûne, elle prie. When she fasts and she prays. Sa chair. Her body. A des désirs contraires à ceux de l'esprit. Has desires contrary to that of the spirit. Maintenant, si il est une femme qui n'aime pas la prière, now if she does not love et prayer, qui n'aime pas jeûner, and she cannot fast, la chair est en train, l'esprit de sa chair est en train de se développer. The flesh is developing. Mais quand il commence à jeûner et prier, but when she starts praying and fasting, elle étouffe cet esprit. She choked the spirit. Qui est dans sa chair? Which is found in le désir de sa chair flesh, commence à être étouffé. It starts being choked. Commence à être étouffé. Being choked. L'esprit now the spirit prend le contrôle. Takes control. Et l'esprit
And the spirit devient à la deuxième position. Becomes into the second position. Donc c'est facile à parler à cette femme et d'écouter l'esprit parce que c'est lui qui est derrière, c'est l'esprit de Dieu qui est derrière elle. It's easier for her to speak and to listen to the spirit. Donc plus elle continue à jeûner et à prier, so the more she carries on praying and fasting, les désirs là ne vont plus fonctionner comme auparavant. The flesh, the desire of the flesh will not function like before. Dans la vie de jeûne et prière, so the life of prayer and fasting, ça étouffe certains. Ça brise les jougs de la méchanceté. It breaks wickedness. Si tu as dans ta vie la colère, la haine, tu as les mensonges, amener ces choses dans la présence de Dieu en jeûnant, en prière, ces choses vont se prier. Was present through prayer and fasting. Qui m'a compris? Quand je prie, plus Dieu reste avec moi. The more God la prière est changée dans ta. Prayer makes God able. Ça faut écrire ça. Anderema. La prière. Prayer. Rechange longtemps. It keeps God for long. Dans votre maison. In your house. La prière. Prayer. Rechange longtemps. It keeps God for dans long. Dans votre bureau. In your office. Parce que c'est un rendez-vous. Because this is a meeting. Si tu prends les heures. If you take hours, Dieu va rester avec toi pendant God une heure. God will remain with you for an hour. Si tu dis que je vais faire 5 heures, but if you take 5 hours, Dieu va rester avec toi pendant 5 heures. God will be with you for those 5 hours. Ben, écoute-moi très bien. So listen to me well. Plus je prie, the more I pray, plus je jeûne, the more I fast. Dieu est en train de se révéler. The more God is revealing plus himself. Plus je prie, the more I pray, plus je jeûne, the more I fast. Il y a Dieu comme il reste longtemps. The more I remain in his. Il a dit à Jacob. Like Jacob. Le matin est arrivé. Morning came. On peut pas me voir. They won't see me. Laisse-moi partir. Now let me go. Jacob dit non. Je reste avec toi ici. I need you here. Pendant qu'il était avec Jacob. And he was fighting. Dieu dit non, en tout cas ça c'est trop. God said this is enough. Il s'est révélé à Jacob. He revealed himself to il Jacob. Il dit quel est ton nom? Saying who? What is your il name? Il dit mon nom c'est Jacob. My name is Jacob. Il dit à partir d'aujourd'hui. He said from today. Comme tu as lutté avec moi. Because you fight with je me. Je change ton nom. I am changing your name. Dans la prière. In prayer. Et jeûne. And fasting. Il y a les changements. Is a change. This Saturday we had the youth department leading the prayer. It was a great moment in the presence of God. Here is a clip. Your name is Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be alone. Adonai. Yes, it cuts out the work of the evil one so that you can walk. So that you can walk in dry land. Yes, sir. He changed the story. He changed the narrative of this world. Yes, sir. So that under the shadow of his wings, you may find protection. Yes, sir. His fears have been overshadowed. Your fears have been overshadowed by his perfect love. And he rescued you. He rescued you from that fearful life. He rescued you from that life of pain, from that life of grief. Yes, sir. Your heart was previously a hub of pain, but he rescued you. And he said, my child, my child, my child, my child, I'm gonna walk with you. I'm gonna walk with you. I am gonna walk with you. Yes, sir. Wow, nous avons une jeunesse des vaillants, n'est-ce pas? Voilà, nous nous sommes posé une question. C'est vraiment demandant. Ça doit être très demandant d'organiser un si grand événement. Voilà pourquoi nous sommes allés poser la question à l'un de nos anciens qui est Papa Nononlengo, l'administrateur de Mont Sinaï Maison de la Grâce. Il va nous en dire plus sur comment il a organisé et comment l'Église a organisé un si grand événement. Bonjour peuple de Dieu, nous sommes dimanche et comme vous le savez, nous avons une petite interview à vous présenter et nous sommes ici avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu, dont vous connaissez peut-être le nom, mais que vous n'avez jamais connu sous une nouvelle, un nouvel aspect. Nous sommes ici avec... Bonjour,
Je suis Nono Lingo. Je suis l'administrateur de l'église Mont Sinaï par la grâce de Dieu depuis 2015. Je fais partie aussi du collège des anciens et je suis aussi prédicateur. Alors, nous sommes dans Shiloh Foti et nous avons l'envie de connaître plus comment est-ce que la planification stratégique de cet événement se prépare. Waouh, la planification stratégique, c'est trop fort, mais je vais parler de la planification. Comme les règles générales, la planification de ces grands événements où nous sommes Shiloh 40 commence d'abord par la vision. Donc, il faudrait d'abord définir la vision, les objectifs de ce que nous voulons atteindre. Et puis, cela a été suivi de casting de la sélection des orateurs. Et là, c'était plus la partie spirituelle qui est liée à la pastorale. Mais l'administration aussi a assisté à cela. Et après le casting, nous avons maintenant procédé à fundraising, la collecte de fonds, pour savoir estimer les coûts estimatifs de ce grand événement. Et après le budget, maintenant, on a commencé à procéder à des dépenses initiales. Là, il faut maintenant booker, réserver pour les orateurs. Et comme vous savez, Shiloh 40, c'est un programme qui réunit beaucoup des orateurs qui viennent du niveau international. Nous avons des orateurs qui viennent du Congo, beaucoup d'ailleurs. Nous avons un autre orateur qui vient, le pasteur Cash, qui vient de la France et d'autres dans différents pays. Donc, c'est un peu ça, la planification stratégique, comme vous avez dit. Tout se passe bien, ça a été bien planifié par la grâce de Dieu. Alors, comme vous l'avez mentionné, vous avez parlé du spirituel. Alors maintenant, notre deuxième question serait plutôt, quelle serait la planification? Quelle a été la planification spirituelle pour ce grand événement de Shiloh Foti? Waouh. Belle question. La planification spirituelle avait commencé même bien avant. Comme vous le savez, Shiloh, c'est notre programme que nous avons chaque année, chaque fin de l'année. Donc déjà, comme nous faisons une œuvre spirituelle, donc nous avions déjà commencé à planifier cela spirituellement. Nous avions fait des programmes, des prières, d'intercession par rapport à ces grands programmes de Shiloh que nous avions déjà débuté bien avant, et ça nous a accompagné. Et jusqu'à présent, nous continuons à soutenir cet événement spirituellement. L'équipe d'intercession continue à prier pour cela jusqu'à la fin. Amen. Nous voyons que la prière et la préparation spirituelle ainsi que stratégique a une grande importance dans ce programme de Shiloh Foti. Alors, nous voulons aussi connaître comment l'administration de l'Église marche à part Shiloh Foti. Alors, comment coordonnez-vous la gestion de la formation des serviteurs? Je pense à cette question, j'aimerais clarifier un peu les choses. La gestion de l'événement, là, ça va avec l'administration, mais la formation des serviteurs, c'est plus la responsabilité du management et de la pastorale. Quant à la gestion de l'événement, ou des serviteurs. Vous savez, l'administration travaille en collaboration avec tous les départements. Nous ne travaillons pas avec les serviteurs, mais nous travaillons avec les départements. C'est de là où l'administration a une implication pour donner des directives à chaque département, présenter la vision de l'événement. Donc, c'est un peu ça. Mais quant à la formation des serviteurs, ce n'est pas le rôle de l'administration, plutôt c'est la pastorale et le management. Et je voulais aussi ajouter une chose. L'administration fait partie du management. Parce que dans le management de l'église, il y a trois entités. Il y a la pastorale, il y a le collège des anciens et l'administration. Donc, si nous parlons de la formation des serviteurs, là, ça revient au package global du management et de la pastorale. Amen. So, parlons du package global, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous maintenez la transparence entre vous? Comment est-ce que vous maintenez la transparence entre chaque département qui sont liés à l'administration? Wow, très belle question et une question pertinente. Déjà, j'aimerais dire ici, l'administration est censée travailler dans la transparence. Mais il y a une chose, une réalité, dans le contexte de l'Église, il y a beaucoup de sensibilité dans l'Église.
Alors, la transparence totale, c'est plus au niveau de l'administration et le management et la pastorale. L'administration doit aussi travailler avec la discrétion. Parce que, comme je venais de dire, l'Église, il y a trop de sensibilité. Alors, à un moment donné, il faut ajouter à la transparence la discrétion. Donc, c'est comme cela que nous fonctionnons avec les départements. Amen. Et en terminant, nous allons demander à Papa de nous conseiller. En tant que ancien, il s'avère aussi qu'il a des conseils à donner à l'Église et à chaque département de l'Église. Alors, nous voulons prendre ces conseils pour ceux qui seront intéressés à être des futurs administrateurs de l'Église ou même d'une gestion de business. Quels seraient vos conseils? En tout cas, à mon humble avis, les conseils que je donnerais, c'est ça tombe d'ailleurs bien, ça cadre avec la prédication d'aujourd'hui, ce qu'on nous a prêché, l'intégrité. À tout futur administrateur de l'Église Mont Sinaï ou dans différents domaines, j'aimerais recommander l'intégrité, l'amour du travail et la sagesse. Parce que l'administration joue un très grand rôle, comme je disais tantôt là, ça touche à toutes les entités. Alors il faut beaucoup de sagesse, il faut être intégré. Thank you very much, Papa Nono, for this interview. So now I'm a bit curious, Ketia. I have a question for you. How do you feel when you're hungry? What are your emotions? Wow. Quand j'ai faim, je ne sais pas comment vous dire. Des fois, je suis triste. Des fois, la seule chose que je veux, c'est manger. Après avoir mangé, c'est là que je me sens mieux, au fait. Les émotions sont un peu mélangées. Yeah. Ça, c'est vrai. Yeah, I know, eh? And I can relate. I hope you... I know, I actually know you can too, mm-hmm. right? So today with us, we have a short tip from our medical team. They are going to talk about how to handle your emotion while you're fasting. Alors, docteur Alphonse, merci encore d'être là. Ça fait déjà un bon moment qu'on a commencé avec Shiloh Fonti, avec notre moment de jeûne et de prière, mais il y a un sujet très important dont nous devons parler. La réalité du fait que quand nous avons faim, ça nous rend des fois nerveux. Il y a des émotions qui changent, mais il y a aussi le fait que nous avons une carence de nourriture et des fois il y a des changements d'hormones aussi qui causent le fait que nos émotions ne restent pas stables. Exactement. Alors, comment gérer les émotions pendant un moment prolongé de jeûne? Je vais peut-être décevoir ceux qui penseront que je vais leur donner la clé. Il faut faire ceci pour pouvoir gérer les émotions. C'est difficile. C'est difficile. Vous savez, l'organisme se défend, et même le psychique aussi, il se défend. Il se défend parce qu'il considère que, quelque part, il a été agressé. Vous avez fait quelque chose qui fait que son organisme dit qu'il a besoin de quelque chose et vous ne voulez pas le lui donner. Et donc, il réagit par ses émotions, par ses humeurs. Il me semble que la clé, s'il y en a une, se trouve du côté spirituel de la chose. Je pense que le management de l'Église va nous préciser cela. Ça, c'est ce que j'ai toujours cru, que pendant un jeûne, pendant une période de méditation ou de jeûne, ou une période où le corps est sollicité, parce que nous savons qu'un jeûne, c'est un exercice où l'esprit devrait prendre le dessus sur le corps. Et donc, pendant le jeûne, tout ce qui peut faire, qui peut être qualifié de réaction du corps, il faut que l'esprit puisse le gérer. Et donc, pendant les moments où on est mal, où on a faim, où l'estomac gargouille, c'est peut-être le moment où il faut mettre les genoux à terre. C'est peut-être le moment où il faut faire une grande méditation. C'est peut-être le moment où il faut chercher la présence de Dieu le plus fort. C'est peut-être le moment où l'esprit va prendre justement le dessus, en ce moment-là particulier. Et c'est ainsi que le corps va s'adapter, et l'esprit aussi, en étant supérieur par rapport au corps. Donc je voudrais dire ceci, les émotions, les humeurs sont normales, on peut les expliquer de manière psychologique, mais il faudrait... L'exercice qu'il faudrait faire en ce moment-là est plutôt spirituel. Et une autre chose que je voulais ajouter, l'autre fois nous avions dit qu'il fallait une adhésion au programme de jeûne.
Et une adhésion signifie que vous avez compris ce qui va se passer et que vous vous y attendez. Et vous devriez être plutôt préparé à ces choses qui arrivent et savoir comment les gérer. Je dirais donc, je pense seulement que ces moments-là, ce sont des moments de prière. Ce sont des moments où vraiment il faut chercher la face de l'Éternel afin de pouvoir passer et arriver au moment où le corps s'est réellement adapté à la situation. Merci beaucoup pour cette réponse bien élaborée. Je crois que nous avons tous entendu, nous comprenons bien. Donc, quand vous vous retrouvez dans des situations où les émotions ne sont pas contrôlées, parlez au Seigneur. Demandez-lui de vous aider et il vous viendra en secours. Le Saint-Esprit sera là pour vous aider, pour vous soutenir pendant ces moments difficiles. Merci beaucoup au département de la santé pour vos précieux conseils. Maintenant, passons au régime de la semaine. Je vais vous présenter quelques-uns de nos meilleurs amis. Nous avons des fruits. Nous vous encourageons à avoir de la diversité dans vos fruits. Souvenez-vous, nous faisons 40 jours, 10. 40 days. Du matin de minuit à 18h30 où nous mangeons que des fruits. Yes, we only drink water and fruit from midnight to 6 p.m. So feel free to diversify. Don't only eat bananas, not only peanuts. You have, what is this? Ce sont des ananas, je crois. No, this is not apricot. No? Okay, it's fine. So you have some blueberries, you have ananas, you have des fraises, yeah. Yeah. So et de légumes. Nous avons aussi quelques légumes que vous pouvez manger. Yes. So please drink a lot of water. Get your drinks. Get some juice. Mm-hmm. Eat some fruits and stay. N'oubliez pas de vous reposer et surtout de prier. Yes, prier pray. Pendant la semaine. Yes, pray. Take 10-15 minutes off. Take some time. I know you're busy, but take 10, 15, 20 minutes off and pray. It's very important. Et la semaine prochaine, à partir de demain, ce n'est plus les légumes. Vous êtes libre de manger le poisson et la viande. We are so free. Par contre, si vous pensez que vous pouvez continuer avec ce rythme, vous êtes les bienvenus. Yes. Vous pouvez continuer à jeûner sans viande, si vous voulez. So next week we are so excited. We're going back to meat, but please reduce the quantity. Now we are going to our third week of Shiloh 14, and you are all invited. We'll be having our third guest speaker coming all the way from Johannesburg, Pastor Elise Eziba. So don't forget to join us online or physically from Monday to Friday, 5:30 p.m. to 7:30 p.m. at 84 de Toy Street, Pretoria Central. Alors, merci d'avoir suivi notre deuxième épisode This Week at Shiloh. Nous espérons que vous avez aimé. Yes, we hope you enjoyed and you're ready for the next week. Don't forget to like, share and subscribe and we will see you next week. Bye-bye! Brothers and sisters, tune in to This Week at Shiloh, your quick rundown of all key highlights, insightful session, and exciting announcement from this week's Shiloh 40 event. Whether you missed a service or want to relive the best moment, we've got you covered. Get ready for an exclusive interview with speakers, behind-the-scenes content, and a look ahead at what's next. Join us weekly to stay in the loop and keep the Shiloh 40 experience alive. Catch This Week at Shiloh every Sunday at 6 p.m. Stream live only on MSA TV. Don't miss out!